Ah, ok. Il faut de la une seconde nourriture. Bah, j'ai importé tout ce que je pouvais de poisson. Où est-ce que c'est? C'est là, mais il n'y a plus de poisson. Bah, on va voir si on peut pas augmenter l'importation. Parce que là, je sais pas si importation des biens requis, ça. Ça fait quelque chose. Peut-être aussi qu'on va mettre. Allez, sait-on jamais. Parce que dans le coup. Ouais, théâtre des musiciens, on n'a pas assez. En fait, oui, il compte le nombre de théâtres de jongleurs. Les danseurs, c'est sûr, il y a ce qu'il faut. Mais tout ce qui est musicien et autres, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ah! Il vous faut donc plus d'attraits. Si je mets, admettons, une grande statue, genre. Allez, on va la mettre dans le coin, là. Ah! Intéressant! Ok. Ah, il faut vraiment plus que ça, quoi. Admettons que je mette, genre, full jardin, là. Ok, ça prend 9 cases. Wow, mais il lui faut combien d'attraits pour... on va jusqu'où là comme ça? C'est incroyable. Non, je peux pas. Ah zut, non, c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je peux faire de plus en fait? Je peux pas plus en fait. Quoi? Comment? Quoi? Depuis quand tu m'as demandé de la poterie, toi? Cette maison de pavillon doit avoir plus d'hygiène. Elle a accès à un nombre suffisant de mais aucune salle d'embaumeur. Bah oui, bien sûr. Donc c'est là que les salles d'embaumeur ont tout leur sens. Bien entendu. Ah mais faut arrêter là. La toile, je l'exporte pas, rassurez-moi. J'ai l'impression que j'exporte la toile. Est-ce que j'ai fait cette bêtise? Non. Effectivement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, mais par contre, il me faut plus d'ateliers de tissage. Oh, par contre, j'ai vraiment fait n'importe quoi là. Allez, on va mettre des jardins, histoire de rattraper notre bêtise. Et le poisson arrive. Il est où mon jongleur? C'est quand même terrible. Eh. Hey. Oui, je sais, mais malheureusement, je vais pas pouvoir honorer mon notre accord. Ok, on n'a pas fait de fête depuis des plombes. Il est temps de se rattraper. Oh! Ouah! Possible de divertir dans ce secteur, mais pas suffisamment. Grrr. Je grogne. Qu'est-ce que t'attends au juste? Qu'est-ce qu'il faut? Elle a pas accès à une bibliothèque. On va y arriver, on va y arriver. J'y crois. La bibliothèque. Ça fait un peu loin.
Allez, on va mettre... Voilà. Donc fête grandiose pour Bastet, c'est fait. On va faire une grande fête grandiose pour Osiris et après on fera Ta. Bon, il faut le temps que le papyrus arrive jusqu'à destination. Hein. Ils sont où les danseurs là? Oh! Grosse quantité d'argile! Yes! C'est vrai que... Il faudrait peut-être plus de fours également. Oh, il faut trop de choses. Il faut trop de choses, on a trop de sous, on sait pas quoi en faire. C'est terrible! Oh, ouah! Mais cela manque un peu de variété. En fait, il vous faut les 4. Bonjour, comment vas-tu? Mindbuilder. Comment vas-tu? Ce samedi. Alors que visiblement, ce manoir n'est toujours pas contenté. Qu'est-ce qu'il leur faut comme divertissement en plus? C'est-à-dire qu'il leur faut les 3, il faut le pavillon, il faut l'étal, il faut le kiosque. J'ai l'impression qu'il leur faut tout, en fait. Ce sont des princesses. Je n'appelle pas ça autrement. Ce sont des princesses. Donc le kiosque, s'ils le veulent. Ça manque de diversité parce qu'à mon avis, il faut les 3. Et tout ce qui... Voilà, j'ai voulu être curieuse. Hein. J'assume que j'ai voulu... voir ce que donnait une demeure plus grande sur ce genre de bâtiment là, et ben je suis pas déçue. Je suis pas déçue du tout. Allez, on va tout mettre. Oh, y a pas la place. Voilà. En fait, tout ça pour eux. Il y a beaucoup de place. Enfin, il y a beaucoup de choses pour pas grand chose en fait. Attendez, je me tourne. Là. Voilà. Bon, c'est bon. Non, ça va toujours pas. Eh ben, on va. Ici, tac. Ah, merci, Pta, tu m'as. La poterie, bien sûr. Bien sûr, la poterie. Surtout que là, tout ce que je fais, c'est du bonus. Hein. C'est pas du tout utile, là, tout ce que je dépense. Mais j'ai tellement de sous. J'ai tellement de sous, faut que j'en fasse quelque chose. Et j'ai hâte de voir si... jusqu'où une maison peut aller, en fait. J'ai hâte de voir. Donc voilà, il y a l'étal, mais en divertissement, je peux pas aller plus loin. Je peux pas faire plus, là. Je suis rendu au max de ce que je pouvais faire et en plus il navigue entre les différentes rues, enfin les différents pavillons, etc. Là c'est du n'importe quoi. On est comment niveau chômage parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Oui, tout à fait. Mais même quand tu regardes hein, de manière générale, le mouvement des personnages est beaucoup plus fluide. Et c'est vrai que les danseurs, c'est encore plus marquant parce qu'ils ont plus de mouvement que tous les autres personnages. Mais c'est vrai que, ouais. Bah, c'est ça qui donne un coup de neuf hein, au jeu d'origine. Hein. C'est les différents mouvements, il n'y a pas photo. Salut Vendée. J'ai pas fait gaffe mais sur ton logo j'ai vu après coup que c'était Vendée. Donc désolé d'avoir écorché ton pseudo depuis le début. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils disent ça manque un peu de variété?
ça me rend dingue. Et comment vas-tu d'ailleurs? Parce qu'ils veulent de la variété, mais zut. Oui, c'est les bijoux? Est-ce que c'est les bijoux? Oui, c'est les bijoux. La toile, on en a trop. On en a beaucoup trop. Oh, magnifique! Magnifique, bravo! Mais je t'ai vu jouer l'autre... Oula, j'ai eu un appel d'air, j'ai failli m'étouffer. Je t'ai vu jouer l'autre jour, mais j'avais pas trop envie de me spoiler, parce que quand j'ai vu de loin que t'avais une énorme pyramide blanche, je me suis dit « Ah !» Parce que je me souviens plus de la fin de Pharaon. Je crois que j'avais même pas fait mes dooms à l'époque. Ah oui, oh bah... Quand je vois ça là, qui exige de la diversité alors que au niveau divertissement ils ont déjà tout ça, je veux bien te croire qu'ils te prennent la tête. Au gambling ou c'est trop tôt dans l'histoire? J'avoue que j'en sais rien. C'est peut-être trop tôt. Parce que le gambling, rappelle-moi, c'est quoi déjà? Parce que ça me parle, mais j'ai un pet cerveau. Je ne sais plus. Mais c'est peut-être... C'est possible hein, que ça soit trop tôt. Hein. Ah! Ça me sort n'importe quoi. Ouais, non, c'est peut-être un... Je pense que c'est trop tôt. Oh, mais il me gâte. Oh oui, la poterie. Ah bah là, ça y est. Bon, on est bien. Hein. Oh là! Oh, ça twerk. Oh là là! Oh, mes aïeux, c'est terrible. 102 000 dB. C'est du n'importe quoi. C'est juste du grand n'importe quoi. Et j'ai trop envie d'accélérer tout ça, histoire que la pyramide se construise vite. Parce qu'il y a tellement encore à faire. Ah, taverne et jeux de casino, ouais. Effectivement, ouais, c'est bien ce qui me semblait que ça me disait quelque chose, ouais. Mais non, là, on l'a pas. Donc je pense que c'est après. Vendée, juste pour ça. Ça va pas du tout avec la musique, mais tu le mérites. Oula. Alors pour ceux qui ne voient pas le chat, Vendée dit, moi j'ai pas Casino mais j'ai Carrefour Market et Lidl. Moi je crois que j'ai tous les magasins possibles à la proximité de chez moi, donc ça va. Oh. Alors par contre... Est-ce que je veux vraiment que ce manoir aille au max? Les habitations dans Pharaon, ça va jusqu'où? Non, pas Héliopolis. No. Ah bah tiens, Kiev est en page. Je marque habitation Pharaon et il y a Kiev qui est en proposition YouTube. Ah, les derniers stades d'habitation, malheureusement, je vais aller sur JVC. Alors, on est sur le manoir élégant. Il y a manoir imposant, domaine modeste et magnifique domaine. Ah, ah ouais, donc en fait, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Alors. Ça navigue trop entre les différentes plateformes. Je cherche mon palais de village parce que je surveille le chômage. On va leur faire un cadeau parce qu'à 102 000 d'ébène, qu'est-ce qui peut arriver? Enfin, qu'est-ce qui peut arriver de pire en vrai hein. Est-ce que je peux me permettre de faire un énorme pavillon?
Bonjour Kayane, eh bah écoute, ça se passe nickel, à tel point que je sais pas quoi faire. Ça se passe tellement bien que je sais pas quoi faire. Ah ouais, bah les deux boucs vont communiquer, bah tant pis. En vrai... Oh. Tant pis. 5-5 en termes de manoir... Ah ouais. 5-5 en termes de manoir. Ah ouais, c'est énorme. Bon, on va voir si jamais il se plaint qu'il a pas assez de place, on enlèvera l'attrait et puis on essaiera de le mettre ailleurs. Oui, tout à fait. Et surtout que j'ai fait la bêtise de construire la petite en premier. Donc en matière de place, j'aurais aimé que mes deux pyramides soient bah, côte à côte. Le problème, c'est que j'ai pas fait gaffe qu'en fait la grande avait besoin d'être dans l'herbe. J'étais persuadée que c'était dans le sable. Et donc j'ai tout centré au niveau pierre, bah par ici. Et voilà. Donc là, tout ce que je fais sur la cité, c'est que du bonus, quoi. Et t'en es au même stade, donc on sait. On sait de quoi on parle. Faut une résilience de ouf. Et je vais... Et je voulais pas arriver jusqu'à 6 heures de stream, mais je crois qu'à mon avis, c'est parti pour arriver jusqu'à 6 heures. Et sur le même scénar. Mais j'avais hésité avec l'autre mission, je sais pas trop... Je sais pas trop ce qu'elle donne, l'autre mission. Et ça ne tient pas. Mon micro ne tient plus, c'est terrible. Là, faut juste que je contente les dieux en attendant que... Bah, jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, je pense. voilà. Bah, l'autre... je pense que... C'est vrai que j'ai hésité entre les deux. Mais comme j'aime bien la construction de monuments, j'ai plus choisi mes dooms, en fait. Et en vrai, ouais, c'est vrai que je pourrais me faire une autre sauvegarde. Je pourrais... après c'est compliqué parce que j'ai pas envie de mélanger éventuellement des parties perso avec la partie que je ferai en stream en fait. Bah ça serait bien, mais j'ai été attaqué que deux fois. J'ai été attaqué que deux fois, donc c'est pénible parce que du coup là mes soldats bah ils se tournent les pouces. Voilà, ils papillonnent avec les oiseaux. Sachant qu'ils visent en direction des entrepôts, donc ils ont pas peur à la fois de trouver la marchandise et un mec au passage. Pendant qu'il y en a qui prennent du bon temps à se beurrer sur le toit. Voilà. Ouais, les batailles c'est assez décevant, mais après j'ai cru voir qu'ils allaient remédier un petit peu à ce problème-là dans la prochaine mise à jour. Ouais, c'est vrai que là j'ai enchaîné les deux constructions, deux missions avec construction de pyramides, sachant mon Claude ça va, elle était pas si grande que ça, ça se passait, mais là deux, avec une microscopique et une énorme, c'est... ouais, faut avoir une patience de ouf. Et en fait bah, je ne fais que naviguer depuis tout à l'heure, et je peux, et si je veux, je peux mettre carrément tous les niveaux au max, hein, c'est... y a pas de problème. Ah, zut. Parce que moi j'étais persuadée que c'était la prochaine mage en fait. Parce que si je vais sur la page du jeu. Page du magasin. Ah oui, un petit mot des devs. Le 22. Ouais, c'est ça. Ta-ta-ta. Parce que oui, Bustet. Merci Bustet. C'est un bon chat. Je suis pas sûr que dire ça à Bastet, c'est vraiment une bonne idée. Les dieux sont aimables, grand bien leur face. Bah les tiens Bastet, vu que t'as été cool. Là c'est vraiment le plus dur, c'est de contenter les dieux. Là. Parce qu'ils sont tellement, des fois, un peu chafouins. Ta-ta-ta... Ouais, effectivement. Alors, je vais carrément voir sur leur Twitter. Ça sera un poil plus rapide. On va fermer Steam. Oui, c'est vrai que la minimap, ça... Bah, en fait, je cherchais les posts de Triskel Interactive sur la mage qu'ils veulent faire sur le jeu. Je veux bien. La régie va regarder pour moi parce que j'ai du mal à lire. Là, j'ai du mal à lire ce soir.
Quand il y a trop d'infos, mon cerveau se bloque. Mash, c'est la minimap et des fixes, ouais. Mais c'est vrai que la minimap, ça manquait de ouf. Hein. Oh non. Pas encore. Pitié, pas encore. Ah! Oui, bah... On va remettre un petit peu. C'était quoi? L'école de danse. Ah bah... J'ai eu peur, j'ai eu la vision de l'énorme incendie que j'ai eu tout à l'heure. Va savoir par exemple quand est-ce que ça va être fait. Enfin, les fixes notamment de la minimap, la guerre aussi. Mon travail survivra autant. Voilà, la grande pyramide en pierre, elle demande tout ça. Elle demande tout ça. Alors là, ils font par voie où ça demande 400. Mais le reste de la pyramide, c'est 4880 blocs. Et au total, on n'en a pas assez. Au total, on n'en a clairement pas assez. C'est pourquoi je crois que je vais drastiquement augmenter les pierres. Oui, c'est ça, les danseurs sont tellement en feu que la bâtisse a flambé. Ils étaient un peu trop enthousiastes. La roadmap. Le plan en fait des mises à jour. Non, j'ai dans le détail, j'ai pas encore eu le temps de la voir. Non. Oui, effectivement, je pourrais mettre en x5 parce que les dieux sont assez stables. Et le chômage aussi. Ça bouge pas trop. Tu marques un point, Kayan, parce que c'est vrai que au départ, je me suis dit, je produis de la pierre, j'ai pas besoin. Mais là, avec tout le fric que j'ai, je peux largement l'importer, effectivement. C'est très pertinent. Importation des biens requis, comme ça, ça m'importe tout ce que je veux. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est une évidence, mais qui était trop évidente pour le faire. Les dieux, je vais faire une pause quand même pour voir les dieux de temps en temps. Voilà. Oh putain, tu me gâtes. De poterie. Encore. Bien sûr. Eh bien, quoi faire de plus, hein. Et ça peut aller plus vite ou pas? Non, ça peut pas aller plus vite que ça. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal que ce soit jusque-là. Bon, vous, je sais pas quoi faire, hein. Je vais mettre deux fois plus d'école. S'il faut que ça. Oh! Magnifique, ils m'envoient plein d'argile. J'ai même pas besoin d'en produire, ils m'en donnent plein. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai pas réussi à trouver la roadmap. Eh bah écoute, tant pis. On chercherait ça en off, histoire d'avoir l'info. Mais ouais, le combat, c'est vrai, c'est ce qu'on disait avec Kev. Pour l'instant, c'est pas ouf. C'est pas intéressant à regarder. Et c'est dommage. Ça y est, ça recommence. Ça recommence. Pourtant, il me semble que j'ai mis toute la police possible. Alors, on n'est jamais trop prudent. 3% de chômage. Oh! Ça y est! Ah non, ça va régresser! Mais avec tout ce que j'ai mis! J'ai mis les étals, j'ai mis le kiosque, j'ai tout mis. Oh là là, oh là là, et ça va. D'ailleurs, on en est où dans les champs? Ah bah, c'est le bazar. J'ai vu un bout de code apparaître. Alors, qu'est-ce qu'il cherche en fait niveau variété? Ça veut dire qu'il y a un... Bah oui, le...
Tu l'as. Attends, qui c'est qui disait tout à l'heure là le gamblie? C'était Mindbuilder, je crois. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, la diversité de loisirs, c'est qu'il leur manque le casino, quoi. Donc, il peut. En fait, là, cette. Ah, cette maison ne peut pas aller plus haut. Mais au moins, j'aurais essayé. J'ai vu ce que ça donnait. Bon, là, elle va jouer au yo-yo, mais c'est pas grave. Hein. Là, on a juste à faire des fêtes de temps en temps. Alors, on fait des fêtes de temps en temps avec importation de pierres. Oui, bon. En même temps, est-ce que c'est si grave ? Bon, bah si eux, par contre, ils peuvent pas aller évoluer plus que ça, moi, je mets des maisons. Voilà, elle a même changé de sens, d'ailleurs. Alors qu'on n'a pas encore la rotation de la carte. Et ça aussi, je l'attends avec impatience, la rotation de la carte. Il en est où ? 4400, waouh. Et c'est systématiquement vers la fin hein, que. Enfin, vers la fin des maps hein, que je me fais cambrioler. Hein. Oui, 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 oui. Ça n'arrête pas. Alors, on va mettre le calque du risque parce que je pense que j'ai raté un truc. Ou alors, non, risque sanitaire. Ah oui, effectivement, il y a des endroits. Il y a des endroits, faut se méfier. Donc là, c'est bon. D'accord. Bon, est-ce que de l'autre côté, c'est si grave que ça ? Allez. Oui, bah le niveau du royaume ne peut être que haut, en fait. Hein. Non, tout refusé. Tout refusé. Et normalement, vous avez tout ce qu'il faut hein, pour le céréal... Pour les céréales. Je vois pas pourquoi lui, il est bloqué. Parce qu'il était déjà programmé pour se bloquer, en fait, je pense. Je pourrais mettre ça dans des entrepôts, histoire d'exporter le surplus, en vrai. Ah ! Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir s'installer ici parce qu'il y a toutes les commodités, là ? C'est bizarre qu'il y ait personne qui vienne. Ou alors ils sont très loin. Excellent. Oui, organisons vite une fête pour Bastet. Alors, il me livre quand même les pierres, mais c'est pas... C'est pas ouf, quoi. Une armée ! Oh bah dis donc, ça faisait longtemps. C'était quand, déjà, la dernière invasion ? Alors, je vais ralentir 2 secondes. Pour savoir... Comment... Alors, dis-moi quel est ton bug sur KSP. Comme ça, ça peut être... Ouais. Ouais. Alors il faudra avoir... Fais-moi une capture d'écran. Oui, mais juste pour décrire ton truc. Non, mais t'as pas une touche impression d'écran ? Pour te dire pourquoi les gens n'immigrent pas, parfois c'est les taxes trop élevées ou le chômage ou le manque d'emploi. Bah là c'est carrément la piètre qualité des logements. Alors que je sais pas ce qu'il leur faut en fait. Ah, il n'y a pas de médecin. Oh, alors
Peut-être qu'il faut corriger... Peut-être qu'il faut corriger certains quartiers et puis les gens reviendront, quoi. Mais c'est bizarre. La piètre qualité des logements. Mais en quoi c'est une piètre qualité ? C'est quand même bizarre. Surtout que là, il y a un médecin qui fait évoluer tout ça. Là, il faut un palais de justice. Et il en manque pas mal en plus, hein. Je comprends pas. La piètre qualité des logements. Ça, c'est une phrase. C'est la première fois que je vois ça. Alors non, mince, ça me sort des études, mais... Est-ce que vous avez déjà eu ça ? J'avoue que c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'ils entendent par piètre qualité ? C'est le fait que ça soit pas le palais de l'empereur ou comment ça se passe ? Parce que là... Ou alors ils parlent peut-être... de ces trucs-là. Parce que pourtant, il y en a certains, enfin ceux où j'ai mis des panneaux, normalement, c'est... Ah, attrait négatif. Bon, là, ça demande pas de main-d'œuvre, je peux mettre des jardins, voilà. Quoi faire de plus ? Normalement, la proximité des jardins, des fois, ça aide à... Voilà, à avoir des plazas à proximité. Voilà, et là, il leur manque juste la distraction. Ah, j'avoue que ça m'étonne, ça, c'est... Là, tout est parti dans le divertissement parce que je pensais que ça avait une certaine utilité, mais en fait, pas du tout. C'est quand même pas mal. Mais comment ça, y a pas de distraction ? Et ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez devant les yeux ? Bon, c'est vrai qu'ils sont mal situés parce que... La boucle est un peu petite. Enfin, est un peu à l'étroit, en fait. Là, il y a une communication entre deux quartiers. C'est peut-être pour ça que des fois, ça régresse un peu. Il n'y a pas assez d'attrait. Eh ben... Grande statue. Moyenne statue. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Elle manque d'espace. Eh ben, tant pis. Le poste de police a un attrait négatif sur tout ça, bien sûr. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Nous avons la solution. Je vois pas ce que je peux faire de plus, là. Là, j'avoue que j'ai besoin d'un guide. Là, je ne vois pas... Ah, j'ai peut-être quelque chose, mais c'est un vieil article. CTRL-F, on va chercher la qualité. Ah, voilà. Ce fut le cas dans Khazar 3, l'une de vos principales préoccupations chez Pharaon est la qualité de votre logement. Les massures simples que vous placez au départ s'améliorent à mesure que vous jouez, ajoutez l'accès à davantage de services. Bah, en même temps, là, si la qualité du logement, là, c'est le fait que ça soit qu'une simple pancarte,
Voilà. Ah, attends, j'autorise. le chef des chefs pour voir. Ah oui, la requête, bien sûr. 56 000 de céréales. Alors attendez, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont arrivées en même temps. J'ai eu l'immigration bloquée, puis ça s'est débloqué plus tard. Ouais, donc peut-être que ça. Hein. Ah non, pas du tout. Là, j'ai aucun problème sur les niveaux de manière générale. Là, c'est juste que il y a une grosse interrogation sur ça, qui apparemment, bah, il y a personne qui s'installe. Et quand je vais voir les chefs, ça me sort que la piètre qualité des logements limite l'immigration, alors que j'ai principalement des maisons ultra riches. Voilà. On peut pas dire qu'il y a de la piètre qualité dans les logements, mais pour une raison inconnue, ce carré pose problème. Non, je ne sais pas. T'es sûr que c'est une bonne idée de se faire, d'augmenter son salaire comme ça? Ouais, parce que le royaume paye, comment dire, paye 30. Allez, on va monter jusqu'à 40. Non, 35. Allez, soyons raisonnables, mettons 35. Mais ouais, non, je... Ah, partir au... Alors... En fait, il y a eu deux fenêtres. Bon, là, il n'y a rien à regarder, malheureusement. Hein. Ils se font poutrer. Hein? De quoi? Poutrer une autre? Non, pas du tout. Si t'essayes de faire un jeu de mots, c'est raté. Je vais essayer de supprimer ça parce que j'ai envie de voir si ça a un impact. Mais je suis pas sûre que ça en ait un. Et le... Oui, pardon, le chef des chefs. Alors, le chef des chefs, il est où? Ah! Éducation responsable. Est-ce que c'est lui? Ah, voilà, c'est ça, c'est le responsable. Soit tu as trop de chômage, soit... Oui, oui, non, mais ça, ok. Et il y a des bugs, donc ça doit être un bug, parce que c'est vrai que... Oui, non, non, je sais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ah, c'est les quartiers pauvres qui freinent l'immigration. C'est parce qu'il y a des quartiers pauvres, c'est pour ça. Donc, ouais, ouais, non, mais j'ai déjà réfléchi justement à voir si j'ai pas... Enfin, au niveau chômage, ça va. Enfin, ça va. Du coup, maintenant, il manque des gens. C'est plus un manque de main-d'œuvre qu'autre chose. Mais là, je cherchais juste à savoir pourquoi, là, il y avait un souci. Et effectivement, quand on voit le responsable, c'est les quartiers pauvres qui posent problème. Donc là... De toute façon, les quartiers pauvres, on va pouvoir voir avec un calque. Éventuellement... Ah ! Il n'y a pas de taxe ici. Parce que j'ai fait très peu de quartiers pauvres, hein. Bah, je vais faire comme Kev, je vais... Ah, c'est ça qui pose problème. C'est eux. Et bah si la population m'en veut... Tant pis. Si la population m'en veut, tant pis. On efface ça et on va voir si ça change quelque chose. Bon après c'est vrai que eux du coup ils servent à rien mais bon. Parce que là, il y a toute la main-d'œuvre qu'il faut en vrai, donc. Tout ça là, c'est des trucs qui servent à rien. Donc on va voir si ça change les avis. Là, ils ont été vaporisés. Il n'y a plus de traces de ce quartier-là. Les dieux. J'ai encore failli oublier les dieux. Même les artistes aiment qu'on les divertisse. Il n'y a pas assez de loisirs par ici. Oui, mais je peux pas faire plus. Là, pour les loisirs, je ne peux pas faire plus. Eh ben, putain, on va organiser une fête somptueuse. Mais maintenant, je saurais que c'est la présence de quartiers pauvres qui freine l'immigration. Et des gens immigrent vers la cité. Il n'y a plus de quartiers pauvres, me cassez pas les pieds. Enfin, eux, ils ne sont plus pauvres. En tout cas. Oh! Oui, oui, il y a plein de... Oui, vous êtes contents, c'est bien. C'est très très bien. Hop, basse-tête. Et on va régulièrement faire des tournées. Hein. Attends, en bière, il me reste plus que ça? Non, zut. Je voulais surtout enregistrer ma partie avant de tout perdre.
parce qu'on est trop bien mis pour perdre tout ça. Oh non. Où est-ce qu'il y a un incendie? Pitié, me dites pas que c'est un endroit important. Si je mets les calques de risque, peut-être que j'y verrai plus clair. Ouh là, il y a un risque d'incendie. Mais je sais qu'il y a besoin de main d'œuvre, mais tant pis. Où est-ce qu'il est cet incendie? Parce que du coup, j'ai fermé la notif beaucoup trop vite. Ah! C'était quoi? Entrepôt. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Entrepôt. Eh ben, tant pis. Alors par contre, ouais, c'est un peu trop proche de mes greniers. J'aimerais bien que ça soit pris en charge très vite. Y'a plus de son. Ça va refaire la même chose. Tout du moins, ça en est pas loin. Et c'est pas le moment. Heureusement qu'il y a des greniers isolés, mais dépêchez-vous. Et c'était les... essentiellement par la terre. Pas en maritime pour l'instant. Et j'ai pas eu beaucoup d'attaques, hein, donc... Bon, eh, si c'est que tout ça, hein, c'est pas grave. Ah oui, il y avait un entrepôt de céréales, deux entrepôts de poissons. Et bah le grenier de céréales va pas tarder à y passer. Je pense que c'est bien parti pour. Hein, je pense, hein. Et il y a des gens qui arrivent dans la cité. Parfait, magnifique, ça y est, c'est bon. Et maintenant, je saurais que la présence de quartiers pauvres pose problème. Il reste une fumerole. Si la fumerole me crame mon grenier, je vais péter un câble. Ouf. Au final, il n'en est rien. Par contre, le chômage, il a dû... Ça a pris une claque, là. Oui, on est d'accord. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre, hop, de mettre les quatre petites maisons, là. Et puis pour les céréales et le poisson, c'est pas urgent. Oh, bah dis donc. Les dieux sont heureux. L'importation de la bière. On va laisser comme ça. Des manoirs où tu ne veux pas, avec ton niveau d'évolution, tu pourrais... Eh ben en fait, il y en a un. Il y en a un ici. Sauf qu'en fait, quand j'ai construit la cité, je n'y ai pas pensé. C'est plus le fait que je n'ai pas pensé au manoir, plus que de ne pas vouloir, en fait. C'est surtout que là, j'ai fait des cartes... Si, pierre précieuse augmentée, ouais, c'est pas un problème. Non, mais en fait, c'est que je... J'ai pas eu la curiosité tout de suite de voir le niveau d'habitation. Je le ferai plus tard. Là, le but, en fait, premier de mes maisons, c'était vraiment d'apporter de la main d'œuvre, quoi. Et puis la prospérité est très vite montée, et c'est après avoir pris connaissance que ceci n'avait pas assez de place pour se développer, que là j'ai pris conscience de la chose. Et là maintenant je sais comment je peux les faire. Enfin surtout c'est la place, je n'avais pas en tête la taille que ça prenait en fait. Mais si vous voyez le but à terme, ça sera bah, d'avoir le maximum. D'avoir le max de... enfin, le niveau maximal des logements. 5h30, je commence à plus... 5h30 de stream, je commence à plus savoir parler. J'ai soif. J'arrive, je vais me chercher de l'eau, en espérant que tout ne flambe pas. Bah, c'est en train de devenir ma mission préférée également. Après, j'attends de voir aussi les autres, mais pour l'instant, ouais, je l'aime bien. La tête qui me sauve la mise en me laissant aller prendre un verre d'eau. Au niveau des fêtes, la dernière fête, elle a eu lieu ou pas?
Cof, cof. Ben, basse tête. Hop. Ouais, c'est ça. La fête a bel et bien eu lieu, c'est juste que j'ai pas fait gaffe. Et le feu de Rio. Intéressant. Fête grandiose. Et on les enchaîne. On n'a plus que ça à faire. Hein. Alors, c'est pas qu'il... Alors, il manque de place effectivement pour s'agrandir, celui-là. Parce que la statue est pas bien placée. Non, ouais, la statue n'est pas bien placée du tout. Même. Ah, mais stop! Voilà. On va en mettre une autre. Une statue moyenne. Voilà, histoire de garder un peu d'attrait dans le coin. Voilà, et là par contre elles peuvent pas aller plus. Oh c'est beau, c'est tellement beau. C'est tellement magnifique. Et le bazar a un attrait négatif. Bah oui, oui, je sais. Et de toute façon ils ne peuvent pas aller plus haut, j'ai pas les casinos. Ah mais je pense que maintenant je ferai des quartiers comme ça. Enfin, dès que je sais qu'au niveau prospérité je suis plus stable, je ferai plus de manoirs pour que ça, pour que la prospérité puisse augmenter. Niveau bière, on est très bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire à part la pyramide? Ah ça c'est bête. Ça c'est très bête. Bah de toute façon là... Faut la stocker. Pas le choix. Y a pas d'autre choix. Oh les dieux, agréable, agréable et bienveillant. Bah on continue. Hein. Tant que la mission n'est pas finie, on continue. Après, pour m'éclater, je pourrais faire un autre quartier comme ça, à la limite. Mais après, ça accueille encore des gens, donc... Donc je pense qu'après... C'est ça, effectivement. Alors, en article de luxe, on a les bijoux, mais... L'encens, est-ce que ça compte comme un article de luxe? Non, non, parce que c'est plus pour les tombes, ça. Mais oui, pourquoi j'ai pas importé ça plus tôt? Parce que je vais en avoir besoin en plus. Je vais avoir besoin de ce truc. On va le mettre... Ça, ça va m'être utile pour après. Bah, les bijoux, ça va. Je pense que niveau bijoux, on est plutôt pas mal. Je pense que niveau bijoux, ça va. Bah c'est les premières choses que j'ai faites en fait. Ah yes, parfait. Ça a marché. Alors on arrête de stocker parce qu'il faut quand même qu'on se construise cette pyramide. La pierre, voilà. Eh ben on revient en arrière. Alors je sais plus si j'ai déjà fait de la fête pour Pta. Mais dans le doute, je la refais. On a l'impression que cette pauvre pyramide n'avance pas, mais elle avance. Ah 4080. Et ben voilà. Ah oui, ça compte comme un article de luxe apparemment, l'encens. Bah oui, non mais oui. Ouais. Effectivement, ça évolue bien. Ça évolue très très bien même. Et le salaire des travailleurs augmente. C'est la fête. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses éventuellement qu'on pourrait importer ?
52. Eh, je vais demander à ce qu'il m'en exporte beaucoup plus que ça. Hein. Ouais, bah non. Ouais, bon, écoute, avec toute la nourriture qu'on a, ça va. Hein. Et puis, putain, qui me remplit les entrepôts. Que demande le peuple, en vrai? Il n'y a plus de place pour les bijoux. J'aimerais bien, par contre, avoir un peu de chômage. Ça serait pas mal. Quitte à... Je suis considéré comme un dieu, blablabla. Ok, 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 ok. Niveau loisirs, on est comment? Eh bien, j'avoue que pour l'instant... J'aurais dû faire la première pyramide, la plus grande pyramide en premier, en vrai. Par contre, je suis un peu déçu niveau armée. Je m'attendais à me faire un peu plus attaquer que ça. Parce qu'avec toute l'armée que j'ai, ça aurait un peu occupé, effectivement, d'avoir quelques invasions par-ci, par-là. Et puis, est-ce que je peux pas faire un don à la cité, par hasard? Allez, faire un don à la cité... Hop là. Envoyer un cadeau. Et voilà. En fait, les infos du responsable du chef du niveau sont imprécises. Les autres chefs te détaillent ce qu'ils te mentent exactement. Oui, oui, bien sûr, je sais ça. Mais ça m'aide un petit peu à avoir aussi le comparatif entre ce que disent les différents chefs. Des fois, je me rends bien compte qu'il y a... Il y a deux, trois choses. Soit ça demande aussi un petit peu de mise à jour le temps que les tâches se fassent, quoi. Et c'est surtout le... Il faudrait proposer une plus grande diversité, construire plus d'écoles formant des artistes destinés à animer les structures qui en ont besoin. Je crois que j'en ai déjà pas mal construite, en fait. Et c'est vrai que par contre, par rapport à ça... Ah bah voilà, je te parlais d'invasion, il suffisait de demander. Il manquerait limite une école de danse, en fait, là. Parce que je vois les artistes qui se baladent. Il y a des sans-abri qui s'en vont. J'essaie de me faire une autre demeure, tiens. Voilà, pour le lol. Non. Pas comme ça. Parce que là, il va falloir donc 9 cases. On va attendre que tes gens s'installent. Il y a des gens qui se sont installés. De toute façon, plus ça va, plus il y a des gens qui vont s'installer de toute façon. Indifférent aux Uri, ça va. Depuis quand? Depuis quand es-tu indifférent? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Il y a combien d'habitants là-dedans? 7. Mais de toute façon, ils vont évoluer. D'ailleurs, je pourrais même faire ça. Mmh.
lieu de culte. Lieu de culte, lieu de culte. Niveau temple 6, 6, 7. De toute façon, tu vas avoir besoin de tous les dieux. Donc en vrai, autant faire un quartier dédié. Mettre Basse-Tête en tête. Puis en fait, il faudrait... Bon allez, vas-y. Amène ton armée, je m'en fous. Là, je m'en fous. Voilà. Une victoire supplémentaire, mais un peu fade, parce qu'on sait pas trop ce qui se passe. Ah. Eh ben, on va stocker le bois, c'est pas grave. Le bois... Le bois... Là. On stocke. Alors, je pense que c'est la poterie que Pta m'a donnée, là. Organiser une fête. C'est qui, c'était qui le rezélu la dernière fois? C'était tout sauf Basse-Tête. Bah voilà, ça avance. Par contre, j'ai pas vu si on m'importait vraiment toutes les pierres que je voulais. J'ai pas surveillé. Je suis pas certaine que ça soit le cas. T'as pas... Ah, tu veux de l'attrait ? Suffit de demander, hein. Voilà. Et vous avez besoin une distraction. Allez, let's go. Le bois, on arrête. On stocke pas. On en fait ce qu'on en veut. Ça. Ah, si je vise à créer un domaine. Ouais, après, oui. C'est vrai qu'on pourrait, parce qu'après, là, c'est la route du royaume, donc au final, ça part pas tous. Après, c'est vrai qu'on pourrait créer un domaine, mais j'ai pas trop envie que les PNJ se baladent trop, en fait. Ah, pardon. Donc celui-là, on va le mettre là. Ah oui, pour le relier, bien sûr. Désolé. C'est pourtant évident. Hein, mais... Qu'est-ce qu'il leur faut, après? Hygiène. Ah bah oui, ils ont pas de médecin. Ça reste stable. C'est très beau en tout cas. Yes. Mais je saurai la prochaine fois qu'on a une grosse pyramide à construire qu'il faut construire la grosse en premier. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on ne voit plus personne. Donc on ne sait même pas s'il y a des gens sur le chantier. Oula. Qu'est-ce que je viens de voir ? Je viens de voir un truc. D'où vous sortez, vous? Bon, ok, il faut plus d'écoles de jonglerie, etc. D'où vous sortez? De l'attrait! Je t'ordonne de l'attrait, y a pas de problème.
Et on met d'énormes jardins si tu veux, hein, y a pas de problème. Oh, j'ai pas mis de plaza depuis tout ce temps, j'ai pas mis de plaza et ils ont quand même évolué. Alors que ça manquait d'attrait. Bravo. Scribe aux bibliothèques. Je suis en train de réfléchir. Parce que là, vu le temps... Bon, c'est deux grosses missions aussi là que j'ai faites. Là, le stream précédent, j'avais fait trois cités. Enfin, je m'étais arrêtée à la cité de Sakara, mais j'avais réussi à en faire deux autres avant. Là, on est sur des très très grosses missions. Faudra également que je demande à mon frère si on se fait pas un stream en commun sur Pharaon, histoire de commenter un petit peu. Oh, pitié. Oh, bien sûr. Et pourtant, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Les pompiers qui passent à côté de la flamme et qui ne l'éteignent même pas. C'est bon. On va refaire la petite fabrique. Voilà. Oh. Ça manque d'espace, bah oui, forcément. Ouais, il faut d'autres écoles. Oh, oh, c'est mignon. Tout petit. Oui, tu veux une école de scribe, je te donne ça tout de suite. Dès que j'aurai fini avec... Quoi? Comment ça, indifférent? Je viens littéralement de vous faire une fête, et d'ailleurs j'en refais une, alors que c'était pas à ton tour. Je veux juste, voilà, refaire une école de scribe. Une bibliothèque. Une sauvegarde, et je pense qu'après par contre j'arrêterai. Histoire d'en garder un peu pour la prochaine fois. Et d'y voir plus clair aussi. Après, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça, le truc, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On a tellement de sous que je pourrais même refaire un quartier entier, en fait. Histoire d'avoir un peu de main-d'œuvre. Oui, palais de justice, effectivement. Où ça? Près des maisons, juste à côté de la pyramide. Effectivement. C'est vrai qu'ils n'en ont pas... Ah, 35%. Ouais, on n'est pas arrivé. Effectivement, il faut le palais de justice. Après avoir donné un buff, ouais. Bon, ça va, c'est rassurant. Parce que je me souviens de l'enfer que ça pouvait être. Enfin. Donc il y a encore Kaezar 3 qui est resté dans ma tête. Oui, bon, voilà. C'est juste le temps qui se calme, en fait. Et c'est en ça que des fois on a des incohérences, on a l'impression qu'ils nous en veulent alors qu'ils viennent justement de nous bénir. Oui, oui, oui. Là par exemple, est-ce que ça va me le faire ou pas? Non, parce que Bastet, elle, elle est sympa. C'était Osiris, et bah tant pis. C'est pas grave, c'était autour d'Osiris, et bah tant pis. Je vais attendre que cet étage-là se finisse. Et après, je m'arrêterai là. Oui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Bah, toujours les bijoux, bien sûr. Mais là, en vrai, je pourrais me permettre... peut-être d'autres maisons quelque part, histoire de rapporter un peu de main-d'œuvre. Par contre, je vais le séparer du... Je vais séparer les prochaines maisons du quartier, là. Là, c'est vraiment histoire d'apporter de la main-d'œuvre. Le but, c'est pas de faire des manoirs. Oh ouais? Oh! Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Voilà, comme ça, on va avoir un petit peu... Un petit peu. Juste un petit peu.
Un petit peu de main d'œuvre. Une cité cohérente. Et eux, la prochaine fois, faudra pas que je les oublie. Oui, bien sûr. C'est bête, ça c'est le cadeau de Ptah, quoi. Je donne ma poterie à Pharaon alors que c'est Ptah qui me l'a offert. C'est terrible. Mais en fait, faut vraiment que Bastet soit comblée au max pour qu'elle organise une fête pour tout le monde, en fait. Si j'ai bien compris. Faut qu'elle soit vraiment au max du max, quoi. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup... Enfin, ça te le dit quand c'est quand t'as des notifs, ce genre de choses-là. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, les sons de ce jeu me font super peur. Ah, j'ai pas... Oh, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Ok. Et parce qu'ils arrivent à se coordonner justement pour être contents en même temps. Justement, en parlant de temple et de sanctuaire. Ouais, faut peut-être que j'en fasse. Non, c'est pas ça. J'ai besoin de main d'œuvre, mais j'ai besoin de beaucoup. Mais non, j'ai pas besoin de beaucoup. On va le laisser se développer gentiment. Ah, c'est bon, cet étage-là va se finir incessamment sous peu, et voilà. Je sauvegarde une dernière fois sur ce que j'ai fait. Et même s'il reste plus grand-chose, j'y reviendrai une prochaine fois. Il se fait tard. Oh, il se fait tard. C'est samedi, donc ça va. Mais il y a encore des choses à faire et que j'aimerais bien finir. Sachant que, alors pour la team replay, objectif final, finir cette grande pyramide et puis mettre... Et puis mettre tout simplement toutes les denrées qui sont demandées. Et la prochaine fois, donc on verra la suite donc, de notre mission.